Top 10 des devises les plus faibles en Afrique et leur taux de change en 2021. Vous vous demandez peut-être quel pays a la monnaie la plus faible d'Afrique. Alors que le dinar tunisien et le cedi ghanéen figurent parmi les trois devises les plus fortes d'Afrique, l'histoire de certains pays du continent en ce qui concerne leurs devises est épouvantable. Certains de ces pays sont dans ce que le Fonds monétaire international considère comme l'hyperinflation. Ces devises continuent à perdre de la pertinence et de leur valeur à un rythme incroyablement élevé. Ces devises sont comparées au dollar des États-Unis sur le marché d'échange. Maintenant, le top 10 des devises les plus faibles d'Afrique. Dixième, Wacha Malawit. Avec 1 dollar équivalent à 813 Wacha Malawit, le Wacha Malawit est la 10e devise la plus faible d'Afrique en 2021. Le Wacha a remplacé d'autres types de monnaies qui circulaient auparavant dans l'économie malawite, à savoir le livre sterling britannique, le rand sud-africain et le dollar rhodésien. 9e, franc rwandais. Avec 1 dollar équivalent à 937 francs rwandais, le franc rwandais est la 9e monnaie la plus faible d'Afrique en 2021. Cela pourrait être dû au déclin économique de la base économique fragile du Rwanda qui a été détruite par le génocide de 1994. Cela a gravement appauvri la population, en particulier les femmes, et nuit à la capacité du pays à attirer des investissements privés et extérieurs. Le Rwanda, d'autre part, a fait des progrès importants dans la stabilité et la réhabilitation de son économie. 8. Francs congolais. Avec 1 dollar équivalent à 1711 francs congolais, le franc congolais est la 8e monnaie la plus faible d'Afrique en 2021. Cela pourrait être attribué au déclin économique de la République démocratique du Congo depuis les années 1980. La République démocratique du Congo était le 2e pays le plus industrialisé d'Afrique après l'Afrique du Sud au moment de son indépendance en 1960. Depuis lors, la corruption, la guerre et l'instabilité politique ont entravé sa croissance, laissant la RDC avec un PIB par habitant et un IDH parmi les plus bas du monde, faisant de la RDC l'un des pays les moins développés du monde. 7e, franc burundais. Avec 1 dollar équivalent à 1901 francs burundais, le franc burundais est la 5e monnaie la plus faible d'Afrique en 2021. Il est nominalement divisé en 100 centimes, mais depuis que le Burundi a commencé à émettre sa propre monnaie, les pièces n'ont jamais été émises en centimes. 6e, shilling tanzanien. Avec 1 dollar équivalent à 2313 shilling tanzanien, la monnaie est la 6e devise la plus faible d'Afrique en 2021. Il est divisé en 100 phrases, centimes en anglais. Le 14 juin 1966, le shilling tanzanien a remplacé le shilling est-africain au pair. 5e, ariary malgache. Avec 1 dollar équivalent à 3750 ariary malgache, l'ariary malgache est la 5e monnaie la plus faible d'Afrique en 2021. Il est divisé en 5 irambilanja et est l'un des deux seules monnaies non décimales en usage aujourd'hui. L'autre est l'ougia mauritanien. L'ariary malgache est la monnaie utilisée par Madagascar. 4e, shilling ougandais. Avec 1 dollar équivalent à 3694 shilling ougandais, le shilling ougandais est la 4e monnaie la plus faible d'Afrique en 2021. Le shilling ougandais est la monnaie utilisée par l'Ouganda. 4e, franc guinéen. Avec 1 dollar équivalent à 9437 francs guinéens, le franc guinéen est la 3e monnaie la plus faible d'Afrique en 2021. En 1959, le premier franc guinéen a été introduit pour remplacer le franc CFA. Le 1er mars 2019, la Banque centrale de la République de Guinée a émis un billet révisé de 10 000 francs et un nouveau billet de 2 000 francs pour commémorer le 59e anniversaire de l'introduction de sa monnaie nationale. En raison de la baisse du pouvoir d'achat, la plus petite coupure actuellement en circulation est le billet de 500 francs. 2e, Sierra Leone Leone. Avec 1 dollar équivalent à 9740 Sierra Leone Leone, le Sierra Leone Leone est la 2e monnaie la plus faible d'Afrique en 2021. Le Leone a été introduit pour la première fois le 4 août 1964. Il a remplacé le livre sterling ouest-africain au taux d'une livre égale à 2. Premier, Sao Tome et Principe d'Obra. Avec 1 dollar équivalent à 21050,60, le Sao Tome et Principe d'Obra est la monnaie la plus faible d'Afrique en 2021. Il est connu pour être le plus petit pays d'Afrique. Sur la base de son taux d'échange par rapport au dollar et de son pouvoir d'achat, il est classé comme la devise la plus faible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend à bientôt pour une nouvelle vidéo.